live streaming is on. Donc, bonsoir tout le monde. Le live a commencé. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous recevoir tous pour cette visioconférence afin d'aborder donc l'actualité sur la prise en charge Covid. Donc, la séance, elle va se dérouler en trois parties. Donc, il y aura une première partie présentée par Dr Ramdani Jalel, suivie par l'intervention du Dr Marwan Sakhar. Et on terminera par une table ronde, questions-réponses. Donc, voilà, je continue en fait à répondre. N'hésitez pas à poster vos questions tout au long de l'intervention des intervenants sur Facebook. Pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à utiliser donc, le chat. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Dr Ramdani, Jalel, qui va donc la première partie. Petite remarque, juste s'il y a une interruption du direct, ne vous inquiétez pas, on fera un petit réglage et on remettra le direct. Donc voilà, si en cas de coupure, on fera en sorte que le direct puisse reprendre. Voilà, je vous donne la parole, Dr Ramdani. Merci Nesrine, salam alaikum, bonsoir à tout le monde, c'est avec plaisir et avec un honneur donc on fait ce webinaire avec tous les membres de l'AMN et tous les médecins en fait qui nous suivent là, que ce soit en France ou en Algérie. En fait, nous avons choisi ce moment-là pour reparler en fait des points d'actualité de cette pneumonie Covid-19. C'est parce que malheureusement notre pays est en train de vivre une troisième vague. Et voilà, donc nous avons choisi donc de parler du Covid-19 sur ses différents volets, que ce soit sur le volet clinique, paraclinique et surtout sur la prise en charge thérapeutique. Donc, raison pour laquelle on a divisé en fait cette présentation en deux parties. Moi, je vais présenter en fait la maladie sur un volet plutôt clinique et paraclinique, ce qu'on appelle l'étape diagnostique en quelque sorte. Et je laisserai mon ami Marwan donc parler de la prise en charge thérapeutique. Donc du coup, tout le monde sait quoi tout simplement, il s'agit d'une infection respiratoire qui est aiguë, qui est extra un virus que tout le monde connaît actuellement, c'est le SARS-CoV-2 ou Covid-19 qui appartient à la famille des coronavirus. Donc, tout le monde sait aussi l'histoire de cette pandémie qui nous frappe toujours, malheureusement. L'histoire a débuté, en fait,
la fin de l'année 2019 où il y avait des premiers cas de pneumonie survenus à Wuhan dans la province du Hubei en Chine. Donc il y avait donc des cas de pneumonie hypoxémiante à Wuhan. À partir de ce moment-là, on a découvert un nouveau coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV-2. C'est là où l'histoire a commencé. À partir de la Chine, la maladie s'est complètement émergée et on était devant une pandémie. Et on est toujours devant un tableau du pandémie là, avec une première vague qui a touché donc le continent asiatique. Et puis successivement, il y avait l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, y compris notre pays, qui a été touché par cette maladie. Donc la maladie qui est liée au SARS-CoV-2, elle est actuellement désignée sous le nom du COVID-19. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de questions, beaucoup de tabous, beaucoup de lacunes et beaucoup donc d'avancées en fait concernant la définition, la physiopathe, les thérapeutiques et les problématiques liées à cette maladie virale. Sur le plan épidémiologique, donc comme vous savez, la maladie, après un an et demi à peu près, elle existe toujours. Elle frappe pas mal de régions dans le monde, y compris notre pays. Déjà, si on parle de la dernière mise à jour du 19 juillet 2021, dans le monde, il y a déjà 190 millions de cas, dont 4,08 millions de décès. Et ça, quand même, ça témoigne la gravité de la chose, ça témoigne qu'on est devant une maladie quand même qui est très, très grave. En Algérie, malheureusement, c'est un iceberg. Les cas qui sont confirmés avec des PCR positifs, on a déjà atteint 90 000 cas avec 2550 cas de décès à Rabbi Erhamon. Donc, tout en sachant que c'est un chiffre qui ne reflète pas la réalité par le fait qu'on n'arrive pas à faire des dépistages de masse et des PCR pour tous les patients qui sont hospitalisés pour X raisons. En France, par exemple, là où les gens font quand même les choses d'une façon plus scientifique, il y a déjà 5,86 millions de cas confirmés, dont 111 000 décès. Donc, voyez, c'est des chiffres quand même qui sont très importants, qui sont inquiétants. D'ailleurs, on voit ça sur les courbes là. Regardez, l'évolution épidémiologique, elle est vraiment hétérogène, elle est bizarre, elle est variable. Dans le monde, donc nous avons vécu déjà donc deux ou trois vagues. Dans les vagues qui étaient extrêmement graves, c'est situé entre le mois de novembre et le mois de mars. Puis une autre vague là qu'on a vécu. En fait, donc c'était entre mars et juin. Et là, on est en train d'assister à travers le monde une période en quelque sorte d'accalmie. Contrairement à ce qui se passe en Algérie, donc on a vécu l'année dernière une première vague. À peu près, c'était le même timing que cette année-là. C'était environ le mois de juillet, juin et de juillet. Puis une autre vague extrêmement aussi grave, c'était à peu près donc à la fin de l'année 2020, entre novembre jusqu'au mois de janvier. Et là, malheureusement, vous voyez la courbe exponentielle là, donc avec une augmentation, une hausse des cas aussi du COVID-19 jusqu'à maintenant. Donc c'est désolant de voir quand même l'évolution qui n'est pas différente en fait à l'évolution à travers le monde. Par contre, on constate qu'on est un petit peu en retard par rapport au pic des différentes vagues, à peu près de 2 mois, ce qui se passe dans le monde et particulièrement en Europe. Donc sur le plan physiopathologique, il faut savoir que le coronavirus, ce n'est pas un nouveau virus, c'est un virus qui existait déjà auparavant. Donc il y en a déjà plein de coronavirus qui étaient responsables des infections respiratoires, digestives, aussi chez de nombreux mammifères et oiseaux. Et généralement, sont connus en 4 genres. Il y a l'alpha, il y a le bêta, il y a le gamma, il y a le delta. Donc jusqu'au 2019, en fait, avant 2020, 6 étaient connus comme responsables d'infections humaines. Il y a 2 alpha coronavirus et il y avait 4 bêta coronavirus. Et c'est à partir de l'an 2020 qu'on a découvert un nouveau coronavirus qui appartient au genre bêta coronavirus et qu'on a appelé le SARS-CoV-2. Donc, qui a été isolé en Chine suite à la survenue dans un contexte épidémique de plusieurs cas de pneumonie hypoxémiante. Et c'est là où l'histoire quand même a débuté. Donc il faut mettre en tête que la maladie là, donc existait déjà la maladie liée au coronavirus, existait bien avant. Et regardez, il y a 4 genres, l'alpha,
bêta, gamma et delta coronavirus. Et c'est généralement les bêta coronavirus qui sont donc responsables de ces maladies respiratoires chez l'humain. D'ailleurs, vous avez les bêta coronavirus de la lignée C qui étaient responsables du MERS-CoV, l'épidémie en fait au Moyen-Orient vers l'année 2012. Et il y a le SARS-CoV-1 aussi qui était responsable donc d'une épidémie asiatique vers les années de 2002. Et puis là, actuellement, on est en train de vivre une nouvelle pandémie cette fois-ci qui a touché tout le monde et qui est due au fait au SARS-CoV-2. Donc, il est très important de connaître en fait la structure de ce virus-là pour pouvoir connaître par la suite tout ce qui se suit concernant la physiopathie et concernant même les thérapeutiques qui peuvent être proposées dans le futur. Donc, il s'agit d'un virus enveloppé à ARN. C'est très important de savoir ça. C'est un virus à ARN. C'est un virus qui est capable, en fait, de produire des gènes, de coder pour produire des gènes qui vont leur servir pour se multiplier dans le poumon et dans n'importe quel organe. Et raison pour laquelle il est très important de connaître que ce virus-là est un virus à ARN. Donc, il est divisé en deux parties. Les deux tiers de ce génome-là, donc, code pour un vaste gène réplicase qui est indispensable à la réplication virale, donc composé de l'ORF1A et l'ORF1B. Et regardez le un tiers de ce virus-là, il code pour le génome essentiellement réservé pour produire les protéines des structures de virus, dont quatre glycoprotéines membranaires, et c'est important de les connaître. Il y a la protéine spike, la protéine S qui est la plus importante à connaître. Il y a l'hémagglutinine estérase, HE, il y a les protéines de la membrane M et il y a l'enveloppe E, ainsi que la protéine de la capside N. Regardez le virus, voilà, donc le SARS-CoV-2. Donc, il y a l'ARN, il est englobé par une capside et sur laquelle il y a ces protéines-là, dont la plus importante, c'est la protéine S ou appelée spike. En fait, sur le virus, sur l'ARN, sur le matériel génomique de ce virus-là, il y a deux parties. Les deux tiers codent pour le gène réplicase qui va permettre au virus de se répliquer à l'intérieur de la cellule hôte, notamment la cellule bronchique. Et le un tiers va coder pour synthétiser en fait des protéines, dont la protéine S, qui va permettre au virus en fait de se fixer sur les cellules davantage et de pénétrer dans le maximum que possible des cellules hôtes, notamment dans le tissu respiratoire. C'est ça en fait le principe de ce virus. Justement, concernant le cycle viral, tout le monde déjà sait que la transmission de cette maladie, elle est exclusivement aérienne à travers une émission des gouttelettes respiratoires chargées de particules virales. Et ceci, soit par voie directe, soit par voie indirecte. C'est-à-dire, soit à travers la parole, soit à travers, en fait, les efforts de toux ou les éternuements, donc, sur des contacts qui ne sont pas protégés, soit indirectement, en touchant à la main les différentes sécrétions des muqueuses nasales, buccales ou conjonctivales et qu'on touche les autres sans qu'on nettoie les mains par des gels hydroalcooliques. C'est pour cela que la barrière, pour empêcher la transmission de la maladie reste toujours porter, en fait, des masques et laver les mains par les gels hydroalcooliques. C'est pour empêcher ces deux voies directes et indirectes. Le virus, ensuite, il va se fixer grâce à sa protéine S qu'on a décrit tout à l'heure. Il va se fixer sur le récepteur de l'angiotensine 2 de la cellule hôte. Après, il y aura des modifications conformationnelles de la protéine S exposant en sous-groupe S2 et permettant l'endocytose puis la fission membranaire. Et à partir donc du moment où le virus pénètre dans la cellule, il va subir toutes les étapes en fait donc des virus à ARN, notamment la protéolyse, la traduction sous-génomique, puis la réplication, ce qui va donner naissance à pas mal de virions et donc il y aura une multiplication, une réplication virale et ça va donner naissance à ce qu'on appelle à une charge virale. On peut schématiser tout ça sous forme d'un schéma.
Il y a le SARS-CoV-2 qui est là. Vous avez l'ARN à l'intérieur, une capside, puis des protéines, notamment la protéine S, la protéine spike, donc qui va se fixer sur les récepteurs ACE déjà présents sur la cellule hôte, principalement la cellule en fait donc dans la muqueuse du tractus respiratoire. Le virus pénètre, il va subir en fait une décapsidation. Après, l'ARN se libère à l'intérieur du cytoplasme de la cellule. Il va subir en fait pas mal de réactions de protéolyse, de transcription de l'ARN. Et après, il y aura l'assemblage et la libération d'autres virions en nombre très important qui vont coloniser d'autres cellules, ce qui donne naissance à une charge virale très importante. Donc, plus que le virus a sa protéine S, plus qu'il peut pénétrer facilement dans la cellule, et puis il va se répliquer d'une vitesse très importante, et il y aura quand même un nombre très très important d'autres virions qui vont coloniser d'autres cellules, et du coup il y aura une charge virale importante, et bienvenue par la suite les complications et qu'on va les voir tout à l'heure. Concernant les variants SARS-CoV-2, tout le monde parle actuellement des variants. C'est quoi déjà un variant ? Un variant, tout simplement, comme le virus est un matériel génétique, est un génome, il est prédisposé de subir des mutations. Donc, une mutation qui se produit sur ce génome-là entraîne l'émergence d'une nouvelle souche du virus qui est légèrement différente à la première. Voilà, et du coup, on appelle ça variant. Actuellement, il y a des variants en fait qui sont dits préoccupants et qui font l'objet d'une surveillance spécifique par des différents en fait labos internationaux. Quels sont ces variants en fait qu'on a pu identifier actuellement et qui sont préoccupants ? On connaît déjà le variant anglais, donc c'est le B117 et nommé Alpha. Il a été découvert pour la première fois en Grande-Bretagne en septembre 2020. Il y a le variant sud-africain, le B1351 nommé également Beta, qui a été découvert en Afrique du Sud. Il y a le variant brésilien, c'est le B11248 lignée B1 et nommé Gamma. Il y a le fameux variant indien numéro 1, le B1617-2 qui est nommé Delta, qui a été découvert en mars 2021. Et il y a là le dernier variant indien numéro 2 qui est nommé Kappa. Donc, c'est quoi en fait la différence? C'est quoi les particularités de ces différents variants? Tout simplement, ce sont des variants qui sont plus contagieux. Ce n'est pas un autre virus, ce n'est pas un autre coronavirus, c'est toujours un SARS-CoV-2. Mais par contre, quand il se mute, il y aura quand même donc une protéine C qui va s'accrocher aux voies respiratoires d'une façon plus importante. Il y a toujours une protection en fait en excès de cette protéine S. De ce fait, le virus va se fixer davantage dans plus de cellules et donc il y aura une charge virale plus importante et donc il y aura une contamination plus importante. Puisque il y aura une contamination plus importante dans la société, dans la population générale, et donc puisque il y aura l'émergence des cas graves, des cas hospitalisés, et par conséquent, il y aura un nombre plus élevé des décès. Ça veut dire que c'est pas des variants qui sont plus vulnérables, qui sont plus méchants, mais plutôt c'est des variants quand même qui sont très contagieux, qui sont extrêmement contagieux, tout simplement parce qu'ils disposent sur leur surface beaucoup de protéines S. Concernant la symptomatologie clinique, il n'y a pas de grande différence. Les signes cliniques observés sont généralement sont exactement les mêmes, qu'on va les détailler tout à l'heure, mais plus qu'on aura des patients contaminés, plus qu'on aura des formes sévères relativement. Du coup, là, après avoir détaillé un petit peu tout ce qui concerne la physiopathie et l'épidémiologie de cette pandémie jusqu'à maintenant, là, on rentre en fait dans les différents aspects cliniques et paracliniques de cette maladie. Il faut savoir qu'une fois que le virus pénètre dans l'organisme, son incubation, elle est variable. Donc, elle varie de 2 à 4, elle s'étale de 2 à 14 jours avec une moyenne de 4 à 5 jours. Généralement, la maladie, elle évolue en deux phases. Il y a une phase virale, puis il y a une phase inflammatoire. La phase virale, c'est la phase de la multiplication virale ou de la réplication virale. C'est le virus qui pénètre dans les cellules. Il va coder pour des protéines sur sa membrane et pour le gène réplicase afin qu'il se multiplie rapidement.
Et après, c'est une phase qui dure environ une semaine, du 1er jusqu'à G7. Là, il y aura davantage une multiplication virale. Et généralement, au moment de cette phase, les patients sont peu ou pas symptomatiques. Après, c'est la phase inflammatoire. C'est là où ça commence les problèmes. C'est à partir du 7e jour à peu près jusqu'au G12 qu'il y aura quand même une phase inflammatoire. Il n'y a plus de réplication virale, mais plutôt une relargation importante des cytokines. C'est-à-dire qu'il y a une réponse immunitaire inappropriée qui sera à l'origine d'une sécrétion très importante des cytokines, notamment l'interleukine 6. Et du coup, ces cytokines-là vont être à l'origine de pas mal de complications par la suite, notamment le SDRA, les complications thromboemboliques, les myocardites, et ainsi de suite. Donc, c'est ça en fait. Quand on est devant un patient là, donc il commence à faire une infection SARS-CoV-2 prouvée par une PCR ou par un test antigénique, on a toujours peur que la maladie va s'exploser, va se compliquer à partir de la deuxième semaine et plus précisément entre G7 et G12 avec un pic à G9. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on sait bien que le virus va se multiplier la première semaine et après, il va déclencher une réaction immunitaire inappropriée qui sera marquée par une relargation des cytokines et c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir des complications de la maladie dont le SDRA, donc qui marque en fait l'étiquette de cette maladie et qui sera la source en fait des détresses respiratoires. Donc regardez donc un schéma qui résume en fait, qui fait la différence entre le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV-1 ou le MERS-CoV. Donc le SARS-CoV-2, après avoir, donc quand il se fixe sur les ACO2, il y aura donc un recrutement des cellules. Donc des cellules immunitaires et puis il y aura une relargation de pas mal de cytokines, notamment l'interleukine 6 et puis ça va toucher le poumon, ce qui provoque l'SDRA et ça peut toucher en fait d'autres organes tels que le cœur où on aura généralement des myocardites voire des insuffisances rénales ou d'autres complications thromboemboliques contrairement aux autres MERS-CoV où on a tout simplement une réaction immunitaire très simple qui fait intervenir des lymphocytes T et puis un dommage local au niveau des bronches et au niveau du poumon sans avoir donc cette tempête cytokinique qui donne le caractère systémique à la maladie. C'est ça ce qui fait la différence entre les autres virus, c'est qu'on donne la maladie COVID-19, il y a une tempête cytokinique multisystémique qui touche en première partie le poumon, mais elle peut être à l'origine d'autres complications systémiques. On va les détailler tout à l'heure. Donc, concernant la démarche diagnostique, là, la question qui se pose, comment on pose le diagnostic donc d'une pneumonie SARS-CoV-2? Généralement, le diagnostic, il est facile. Il est basé sur, premièrement, la clinique. Deuxièmement, les perturbations biologiques. L'imagerie, principalement le scanner thoracique. Et bien sûr, la confirmation, elle est souvent virologique, faisant appel à pas mal d'examens qu'on va les détailler par la suite. Donc, concernant la clinique, il faut savoir que les formes cliniques de cette infection sont vraiment très variables, vont des symptômes, des formes asymptomatiques jusqu'aux formes graves qui peuvent parfois justifier une prise en charge en réanimation rapide. Donc, quels sont ces symptômes? Vous avez la fièvre, qui est souvent présente chez des patients, la fameuse asthénie, donc on a vu pas mal des patients COVID-19 qui consultent surtout pour cette asthénie. Il y a de la toux. Généralement, quand il y a de la toux en matière de l'infection SARS-CoV-2, c'est le témoin d'une atteinte souvent du parenchyme pulmonaire. Il y a une dyspnée d'effort qui peut aller jusqu'à la détresse respiratoire. Et généralement, on diagnostique les détresses respiratoires devant les polypnées et surtout devant les désaturations donc oxymétriques. Une symptomatologie aussi fréquente, surtout chez la population jeune, c'est d'avoir une perte de l'odorat et du goût, ce qu'on appelle une anosmie et une agueusie. Parfois, on a une symptomatologie purement digestive, une diarrhée, des nausées et des vomissements. Parfois, c'est des signes en fait généraux qui prédominent le tableau, notamment des céphalées, des myalgies, des frissons et des sueurs. Et
On peut assister parfois à des tableaux un petit peu atypiques, surtout chez les personnes âgées de plus de 80 ans, c'est-à-dire dans la population gériatrique, où le tableau clinique est parfois, en fait, dominé par des troubles cognitifs et un syndrome confusionnel. Plus que la fièvre, qu'on ne la constate pas beaucoup, après, le tableau respiratoire, il est moins poignant. On ne se rend pas compte du patient qu'il est en détresse respiratoire, mais si on fait une gazo, si on fait en fait une oxymétrie au doigt, on va constater que c'est un patient en fait qui désature profondément, alors qu'il ne se rend même pas compte, ce qu'on appelle les hypoxémies heureuses. Donc, chez la population gériatrique, faites attention si vous êtes devant un sujet âgé qui se présente avec des troubles cognitifs, des troubles confusionnels, avec cette situation pandémique actuelle, il faut toujours penser à une infection SARS-CoV-2 et n'hésitez surtout pas à prendre au moins une saturation au niveau donc, du doigt. Plus rarement, on peut avoir des lésions cutanées, violacées des extrémités et tout. Ça, c'est vraiment, c'est des formes qui sont rares. Les enfants ne sont pas épargnés, en fait, de cette infection COVID-19. Heureusement qu'on voit pas trop de formes graves chez les enfants. Donc, c'est plus rare que chez l'adulte. Et la population pédiatrique est généralement, c'est une population avec de grandes fréquences des formes asymptomatiques. Déjà, on considère les enfants comme des porteurs asymptomatiques de cette maladie, des troubles digestifs et des symptômes respiratoires. Donc, demeurent les plus fréquents en matière du COVID chez l'enfant, avec des pneumonies qui sont généralement moins graves et qui répondent rapidement, sans séquelles. Donc, moi, personnellement, j'ai vu quelques cas donc, de SARS-CoV-2 chez les enfants qui ont évolué favorablement, rapidement, sans laisser des séquelles au niveau du parenchyme pulmonaire. Tout en sachant aussi que le problème du COVID avec les enfants, c'est les complications post-infectieuses. Donc, nous avons vu donc, des cas de myocardite avec une défaillance circulatoire, ainsi qu'une recrudescence de la maladie, rentrant dans le cadre du syndrome de Kawasaki atypique. Donc, il y a une réaction immunitaire inappropriée dans les suites de l'infection COVID. Du coup, il y aura quand même parfois des cas de Kawasaki qui ont été constatés chez des enfants qui ont eu quand même des infections COVID-19 totalement latentes et asymptomatiques. Et après, ils consultent pour une dyspnée, pour une fièvre, avec un bilan biologique totalement perturbé et des échocardiographies qui montrent en fait une altération très importante de leur fonction cardiaque. Au niveau de la biologie, quelles sont les principales perturbations biologiques liées à cette maladie ? La majeure en fait perturbation reste à l'infopénie, donc c'est l'anomalie la plus courante en fait sur la NFS. Souvent dans les infections COVID, il y a une hormocytose. Dans certaines situations, on peut assister à une hyperleucocytose, surtout en cas de surinfection bactérienne. Et ce qui caractérise en fait la maladie, c'est surtout l'élévation des marqueurs inflammatoires, notamment la CRP, fibrinogène, la ferritinémie, les D-dimères, le LDH. Et ça, en fait, ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire biologique. Mais il faut souligner que c'est un syndrome inflammatoire qui est d'intensité très variable d'une personne à une autre, indépendamment de la survenue d'une surinfection bactérienne. Donc, si on a une élévation de tous les marqueurs de l'inflammation, ce n'est pas le témoin, en fait, d'une infection bactérienne, mais plutôt c'est le témoin que la maladie, elle est en phase active, elle est en phase inflammatoire. Et il faut pas interpréter, en fait, il faut pas interpréter l'élévation de la CRP, l'élévation de tous ces marqueurs-là, autant qu'une infection bactérienne. Et raison pour laquelle on voit quand même dans notre pratique courante pas mal de médecins qui prescrivent, en fait, beaucoup d'antibiotiques en suivant la cinétique de la CRP, alors que, en vérité, ce n'est plus une surinfection bactérienne, mais c'est plutôt, en fait, une réaction inflammatoire due à cette infection COVID-19. Parfois, on a vu des insuffisances rénales, bien sûr, fonctionnelles, à l'origine d'une hyponatrémie parfois. Rarement, on peut avoir aussi donc, des perturbations du bilan hépatique. Les éléments biologiques qui sont de mauvais pronostic sont généralement la lymphopénie et bien sûr l'intensité des éléments suivants, notamment les marqueurs de l'inflammation,
les marqueurs d'hypercoagulabilité et la cétolyse hépatique. Puisqu'on a une lymphopénie profonde, puisqu'on a un CRP qui est très élevé, fibrinogène très élevé, puisque l'inflammation est plus prononcée, le pronostic peut être aussi grave. Concernant la troisième étape du diagnostic, c'est l'imagerie. Tout le monde sait maintenant que la TDM thoracique a une place très importante dans le diagnostic des pneumonies SARS-CoV-2, tout simplement parce que c'est une maladie à tropisme pulmonaire. La complication la plus fréquente, qui est le SDRA, touche le poumon et donc si on fait une TDM thoracique, on aura plus de recul par rapport à cette maladie au niveau respiratoire. Donc, mais il faut savoir que les anomalies qu'on voit sur le scanner ne sont pas spécifiques à cette maladie et on peut la croiser dans d'autres infections virales, voire parfois bactériennes, voire aussi dans certaines autres pathologies donc respiratoires, voire d'ordre hémodynamique et tout. Donc on va voir les diagnostics différentiels par la suite. Donc quand on voit des images dans un contexte épidémique, généralement c'est sensible dans plus de 80% des cas et bien sûr avec une spécificité modérée car on peut croiser les images qu'on voit sur le scanner dans d'autres pathologies infectieuses respiratoires ou d'autres pathologies non infectieuses aussi. L'aspect typique en fait qui caractérise en quelque sorte l'infection virale SARS-CoV-2, c'est d'avoir des opacités envers des polypes qui sont généralement diffuses, qui sont bilatérales, qui sont à distribution sous-pleurale, périphérique et qui prédominent généralement au niveau des bases. Parfois, on a des aspects moins typiques, tels que le verre des polynes nodulaires, tels que les condensations uni ou bilatérales, ce qu'on appelle les formes pneumoniques ou les formes condensantes. Et parfois, on a le crazy paving qui témoigne l'évolutivité et l'activité de la maladie et qui se traduit par la présence en fait, des images en vert des polyps avec à l'intérieur des réticulations. Donc, on va le voir en fait tout à l'heure sur une imagerie. Parfois, sur le scanner, on peut déceler les signes de surinfection, tels que l'épanchement pleural de faible abondance, des adénopathies médiastinales, des vraies condensations avec un bronchogramme aérique. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que peut-être il y a une surinfection, il y a une part de surinfection bactérienne qui reste quand même un phénomène rare. C'est pas un phénomène fréquent dans la COVID-19 et raison pour laquelle il faut pas en fait être très chou pour mettre des antibiotiques, donc avec des classes qui sont très 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 quand même très importantes pour une simple infection qui est inflammatoire et non bactérienne. Donc du coup, regardez là sur l'imagerie. Donc ça, c'est pour les images typiques d'une infection, d'une pneumonie SARS-CoV-2. Il y a cet aspect-là en vert des polis. C'est une surdensité du parenchyme pulmonaire sans effacer les autres éléments du lobule pulmonaire. On voit bien les vaisseaux au sein de ces opacités-là qui s'appellent des opacités en vert dépoli. Généralement, sont de topographie périphérique. Regardez, là, c'est central. Ici, c'est périphérique, sous-pleural, bilatéral. Et généralement, ça prédomine au niveau des bases. À partir de l'étendue de ces images, on peut classer en fait l'atteinte SARS-CoV-2 en 5 degrés de sévérité. L'atteinte minime, c'est quand elle est inférieure à 10%. L'atteinte modérée, c'est entre 10 à 25%. L'atteinte importante, c'est quand elle est entre 25 et 50%. Sévère, c'est quand à 75%. Et critique, quand elle dépasse les 75%. Là, c'est une atteinte minime, vous voyez. Donc, il y a un petit foyer en vert des polypes postéro-basal droit. C'est moins de 10%. Là, l'atteinte, elle est modérée, 10 à 25%. Là, l'atteinte, vraiment, elle est importante, 25 à 50%. Et là, l'atteinte, elle est vraiment sévère, voire critique, ça dépasse les 50%. Et regardez ici, en plus du vert dépoli, on trouve qu'il y a des réticulations à l'intérieur, donc ce qu'on appelle le crazy paving. Mais il faut savoir que, en fait, oui, quand on a plus qu'on a, il y a une corrélation entre l'étendue des images radiologiques et l'importance en fait de la symptomatologie clinique. Le plus souvent, quand on a plus qu'on a une atteinte sévère, puisque le malade sera symptomatique, voire dyspneïque, surtout sur le plan respiratoire. Mais si on a un scanner à 10%, ça ne veut dire pas que le patient il est moins contagieux et ça ne veut dire pas que la maladie elle est de bon pronostic, car
quel que soit en fait le degré de sévérité radiologique, le patient il est contaminant et il risque quand même de propager la maladie. Ça c'est un. Et deuxièmement, si on fait un scanner à G4, G5 de la symptomatologie, donc 3 jours, l'image peut s'aggraver, on peut assister à une extension des images et ça peut quand même modifier ces degrés de sévérité de 10 voire de 75%. Donc une atteinte de 10%, ça veut dire pas qu'on a réglé le problème. Faites attention, il faut surveiller le patient car il peut s'aggraver à n'importe quel moment et il faut l'isoler parce qu'il est extrêmement contagieux, quel que soit le degré de sévérité. Donc, il faut quelques remarques. Il faut bien choisir le timing là où vous demandez les scanners thoraciques. Il ne faut pas les demander, en fait, d'une façon très tôt par rapport au début des symptômes. Car, généralement, l'atteinte respiratoire commence vers le 4e et le 5e jour. Et surtout, n'hésitez pas à demander les scanners thoraciques quand il y a l'apparition des symptômes respiratoires, principalement la toux et la dyspnée. Si vous n'avez pas toux, si vous n'avez pas dyspnée, et si c'est tout au début de l'infection, vous risquez de faire un scanner et vous n'allez rien trouver. Et du coup, c'est pas systématique si vous avez quand même un diagnostic virologique, mais si vous voulez faire un bilan lésionnel d'une façon plus précise, il faut choisir le bon timing. Généralement, c'est à partir de G4, G5, ou bien quand vous avez d'emblée des symptômes respiratoires. Il faut toujours analyser les images radiologiques parce que certains radiologues actuellement interprètent pas mal d'images comme des images évocatrices de l'infection COVID-19 alors que réellement on peut tomber devant des diagnostics différentiels. Raison pour laquelle il est très important à chaque fois d'insérer les CD sur l'ordinateur, de voir les images. Donc, parce que, en fait, on peut découvrir parfois des surprises, on peut découvrir, en fait, d'autres diagnostics différentiels qui sont totalement, qui n'ont pas un lien avec l'infection COVID. Et donc, c'est pour cela que la clinique, il faut toujours interpréter ce que vous avez sur l'imagerie, donc en tenant compte la symptomatologie clinique et bien sûr l'analyse de la sémiologie radiologique. Je vous donne des exemples là, donc que j'ai croisé moi-même dans ma pratique en fait quotidienne chez des patients qui ont été hospitalisés déjà dans les services COVID quand j'étais déjà en Algérie. Donc là, une fois, on a eu un jeune patient de 20 ans qui a été hospitalisé dans le service COVID pour une toux avec une expectoration abondante. Donc, ils ont fait le scanner. Désolé, les images sont un petit peu floues. Donc, il y a des images en vert dépoli qui sont là. Mais quand on a vu en fait tout le scanner, on a constaté qu'il y a une image excavée au niveau de la base. Et quelques jours après, le patient, il a fait carrément un pneumothorax. Et ça, c'était pas en fait une infection COVID, mais plutôt, c'est un kyste hydatique qui s'est rompu. Et l'image en vert dépoli correspond à une vomique, en fait, à une vomique hydatique et non pas à une inflammation alvéolaire due à une infection virale. Et c'est un patient qu'on a orienté du service COVID vers en fait un service de chirurgie thoracique. Il a été opéré en urgence, donc fais gaffe. Donc il faut vraiment analyser d'une façon très fine donc vos images radiologiques en tenant compte la clinique quoi. Et puis un deuxième exemple, donc un patient âgé de 64 ans qui a une cardiopathie ischémique, il consulte pour une dyspnée aiguë avec des crépitants diffus à l'auscultation. Donc quand on voit les images, regardez, il y a des condensations alvéolaire, mais la topographie là, elle n'est pas vraiment typique des infections COVID-19. Déjà, il y a la distribution qui est centrale et périhilaire, et on remarque qu'il y a un épanchement pleural bilatéral. Et finalement, c'est un patient donc qui présente une décompensation cardiaque. D'ailleurs, après un bon traitement diurétique, donc il y avait un nettoyage des images radiologiques. Donc, raison pour laquelle il faut faire attention. Donc, parfois, vous risquez de recevoir des patients qui consultent pour une dyspnée aiguë, pas forcément une infection COVID, mais ça peut être des OAP, ça peut être autre chose. Un troisième exemple, un patient âgé de 36 ans sans antécédent, donc qui consulte pour une dyspnée subaiguë, hémoptysie, épistaxis, avec une insuffisance rénale aiguë. Il avait
une clairance à 25. Et quand on a fait le scanner, on a retrouvé qu'il y a des images en vert dépoli, mais c'était avec une distribution centrale. Et finalement, donc la PCR était négative. Et quand on a fait le bilan étiologique, c'était plutôt une maladie. En fait, c'est une polyangite avec en cas ce qu'on appelle une maladie de Wegener. Donc, c'est le syndrome pneumorénal. Donc, il faut faire gaffe. Ce n'est pas chaque verre dépoli sur le poumon est une infection COVID-19. Il faut interpréter l'imagerie en fonction de ce que vous avez quand même comme argument clinique et argument aussi biologique. Donc, la confirmation, elle doit être toujours en fait virologique à travers la RT-PCR qui se fait à travers un prélèvement nasopharyngé. Dont le principe, c'est de rechercher en fait l'ARN, qui est le matériel génétique ou le génome du virus. Elle est généralement détectable dès le début des symptômes, avec une rentabilité très accrue, surtout dans le début de l'infection. Donc, dès le début de l'infection jusqu'au 7e jour, il y a une grande rentabilité de cette RT-PCR. D'ailleurs, c'est l'examen numéro 1 pour dépister la COVID. Malheureusement, une chose qu'on n'avance pas donc en Algérie, mais elle reste toujours, en fait, sensible uniquement dans 70% des cas. Ça veut dire que dans 30% des cas, on peut avoir ce qu'on appelle des faux négatifs. Et là, ça peut être expliqué par plusieurs hypothèses. Parfois, il y a le virus, en fait, qui n'est plus dans le nasopharynx, mais plutôt dans le poumon profond. Et parfois, il y a une erreur, en fait, dans le transport de prélèvement ou dans sa réalisation. Donc, si vous avez un tableau typique d'une infection COVID-19 avec une RT-PCR négative, il faut pas éliminer le diagnostic. Il faut prendre en charge le malade autant qu'une pneumonie COVID-19 jusqu'à preuve de contraire. Par contre, si vous avez un résultat positif, il faut pas vraiment dire que ça peut être un diagnostic différentiel car c'est un examen qui est spécifique à 100%. À côté de la RT-PCR, il y a les tests antigéniques qui se font actuellement en Algérie. Donc, le principe, c'est pas de détecter, en fait, l'ARN, mais plutôt les protéines qui sont produites par le virus SARS-CoV-2, appelés les antigènes. C'est pour cela qu'on parle d'un test antigénique. La sensibilité, elle est accrue dans les 4 premiers jours de l'infection. C'est vraiment dans un stade précoce de la maladie. Et avec une efficacité, une sensibilité quand même qui est moindre que la RT-PCR, mais ça reste toujours un examen spécifique à 100%. Si on a un test antigénique positif, c'est bon. Donc, le diagnostic de l'infection SARS-CoV-2 est posé. Et d'ailleurs, on va conclure qu'il s'agit bien d'une infection débutante. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on doit surveiller nos patients jusqu'à la fin de l'infection. Elle se fait aussi par des prélèvements nasopharyngés. L'avantage, en fait, de ces tests antigéniques, donc, c'est le résultat qui est rapide et avec, et il est moins coûteux que la RT-PCR. Les tests sérologiques, tout ce qui est IgM, IgG, sont peu sensibles avec beaucoup de faux négatifs. Généralement, ces tests-là sont spécifiques dans 97% des cas. Il faut choisir aussi le timing pour demander ces examens. On peut jamais avoir un test sérologique positif au début de l'infection, tout simplement parce qu'on n'a pas encore, en fait, développé les anticorps. C'est pour cela qu'il faut les réaliser à partir de G7 de début de septembre. Et généralement, donc, la sensibilité, elle est plus accrue à partir de G10. Plus que l'infection, en fait, elle est tardive, plus que la chance d'avoir un test sérologique est plus. Et ça va permettre, en fait, de diagnostiquer d'une façon rétrospective, donc, les infections SARS-CoV-2 si jamais on n'arrive pas à faire des RT-PCR à temps. Et là, regardez l'évolution des différentes, en fait, marqueurs, des différents moyens pour le diagnostic des infections COVID-19. Là, la ligne en bleu, en fait, c'est la PCR. En vert, c'est les IgM qui commencent à apparaître à partir du G7, les IgG qui commencent à apparaître généralement plus tardivement à partir de G14. Et du coup, donc, à partir de ces courbes-là, on peut avoir plusieurs interprétations possibles. Si on a une PCR positive, par exemple, avec IgG négatif et IgM négatif, pardon, et IgG négatif, ça veut dire qu'on est au début de l'infection. Par contre, ici, si on a donc un test PCR négatif, IgM négatif et IgG positif, ça veut dire qu'on est à la fin de l'infection et ce n'est plus le début. Quelles sont les complications COVID-19?
La principale complication, bien sûr, c'est le SDRA. Voilà, donc c'est une maladie en fait qui touche principalement le poumon, ce qui est la source en fait des détresses respiratoires et le motif le plus fréquent des hospitalisations, malheureusement. La maladie COVID-19, c'est une maladie thrombogène, c'est une maladie inflammatoire et du coup, ça prédispose à la survenue des embolies pulmonaires. Fréquemment, c'est pour cela qu'on préconise une anticoagulation prophylactique, voire curative dans certaines situations. On va en parler dans le chapitre de la prise en charge. Parfois, il y a des complications neurologiques, telles que les myélites parainfectieuses, le syndrome de Guillain-Barré, les encéphalites aiguës et parfois donc, des encéphalopathies ont été décrites. Et là, il y a parfois une complication lointaine, ce qu'on appelle la COVID longue. C'est quoi cette complication? Elle se définit donc par la persistance d'au moins un des symptômes initiaux plus de 4 semaines après l'épisode initial. Donc, si on garde un des symptômes plus de 4 semaines, ça veut dire qu'on est devant un COVID long. Malheureusement, les COVID longs sont de plus en plus fréquentes. Ça touche à peu près 10 à 20% des patients. Ces symptômes-là peuvent avoir un lien avec des complications post-hospitalisation, comme on peut les voir même dans les personnes qui ont présenté des formes modérées traitées en ambulatoire. C'est pas l'apanage des formes sévères, mais on peut garder quand même ces symptômes, même si on fait donc des COVID simples. Quelles sont les hypothèses qui sont à l'origine de ces COVID longs? Il y a plusieurs hypothèses. Aucune hypothèse, en fait, n'est confirmé, ça peut être une persistance de la virale, ce qui sera la chose d'une réaction immunitaire en fait exagérée. Parfois, ça sera une réponse immunitaire inadaptée. Il y a des facteurs génétiques ou hormonaux, tels que le facteur en fait hormonal chez la femme. C'est pour cela qu'on a plus d'avoir des COVID longs chez les femmes plus que chez les hommes. Et parfois, il y a des aspects psychologiques. On a constaté qu'il y a plus de COVID longs chez les patients anxieux, chez les patients avec un stress, que chez les personnes donc avec moins de facteurs psycho-anxieux sous-jacents. Quelles sont les manifestations cliniques de ce COVID long? Il y a des troubles neurologiques, principalement cognitifs à type de désorientation. Donc, on a vu des patients qui ont une sensation de ne pas être comme d'habitude. Ils consultent et vous disent, depuis que j'ai eu la COVID, je me sens pas bien, je suis ralenti. Donc, j'ai des céphalées, j'ai une irritabilité. Il y a même des troubles du sommeil. Chez des patients qui sont asthéniques, parfois, il y a des sensations de dyspnée, de tachycardie posturale, de tout, de douleurs thoraciques. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce genre de patient. Il y a des myalgies, des arthralgies, des troubles digestifs. Et tout ça est lié en fait avec une irrégularité du système nerveux autonome. Et parfois, on peut assister à un syndrome d'hyperventilation qui est dû à la survenue d'une tachycardie posturale et de palpitations avec une inadaptation de la réponse ventilatoire, donc à la situation physiologique normale. Voilà, donc je finis avec cette partie du COVID-19. Je vous remercie de votre attention et je finis donc par cette image donc qui résume tout. Les deux armes en fait thérapeutiques pour lutter contre cette pandémie restent toujours le port des masques et se faire vacciner. Voilà, je vous remercie. Et puis, je laisserai la parole à mon collègue Merwan pour vous parler du reste du chapitre de cette infection COVID-19 sur le plan de prise en charge thérapeutique. Voilà. Merci docteur Lantani pour cette intervention, pour ce topo. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si docteur Nsereb nous entend ou pas. Les diapositives sont prêtes. Alors, juste le temps que petit réglage, on vous reprend. Oui, oui, rebonsoir, docteur Nsereb. Donc, je vous donne la parole, je vous laisse le temps de reprendre la main sur l'écran. Allô? Alors, juste pour vous. Oui. J'en profite en fait pour dire à toutes les personnes qui nous suivent, soit qui sont présentes, d'utiliser le chat. Ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas. Il y a pas mal de personnes qui ont interagi, qui ont posé leurs questions. Donc n'hésitez pas sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube, si vous avez des questions, notez-les. Et puis là, on est en train de les collecter et on prendra le temps d'y répondre à la fin
du propos du docteur Msakha. Voilà, je te donne la parole, docteur Msakha. Autre précision, en cas de coupure, pas de souci, un petit moment de réglage et on reviendra vers vous. D'accord ? Donc, s'il y a une coupure qui se fait, ne vous inquiétez pas, on règle ça et on revient. Allô ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon. Je n'avais pas de son, mais c'est bon. Alors, je mets juste le partage d'écran. Donc, n'hésitez pas à partager dans vos groupes avec vos collègues, n'hésitez pas. Il suffit juste de copier le lien de la vidéo ou du direct sur YouTube pour que les autres puissent aussi suivre avec nous en direct et pourquoi pas poser aussi leurs questions. Nassaline, est-ce que c'est bon pour le partage ? Alors, pour le partage, pour l'instant, moi, je ne vois pas. Après, on peut demander aux autres parce que moi, j'ai peut-être une configuration pour l'instant. Alors, est-ce qu'on voit ? Pour l'instant, je ne vois pas. Non, là, j'ai mis la première diapo. Non, en fait, pour l'instant, on ne voit pas ta... Non, bon, je change... Tu n'as pas de partage. Okay. Donc, on va essayer de refaire la même procédure que tout à l'heure. Il faut vraiment bien cliquer sur la fenêtre. Et là Alors, et là, toujours rien. Donc là, en fait, non. Alors, je ne sais pas si, docteur Mdani, si vous êtes toujours là. Oui, je suis là, Nassaline. Oui, est-ce qu'il serait possible de guider un petit peu docteur Msakha pour qu'il puisse faire ses réglages? Parce que tout moi, à l'heure, je suis sur... Du coup, j'arrête le partage. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend toujours. Oui. Et est-ce qu'il y a... Et donc, parce que, en fait, moi, j'ai la première diapo. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Non, pour l'instant, en fait, on n'a pas de partage. Donc, je pense qu'il faudrait refaire... Parce que... bah, j'ai fait il faudrait peut-être refaire la procédure. Alors, je refais. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors, activer le partage. Partager. Toujours rien ? Toujours rien. Ce qu'on pourrait faire, peut-être Jalal, on peut... T'as arrêté ton partage, Jalal ? Oui, peut-être que Jalal, effectivement, il doit. Alors, ce que je peux proposer, en fait, c'est qu'on arrête ce direct le temps qu'on fasse le réglage et on revient. D'accord ? On fait comme ça. Okay. Donc, ne partez pas, juste l'instant, le moment de faire les petits réglages et on revient vers vous. Donc, il y aura un deuxième live, toujours, hein, on va le poster sur YouTube et aussi sur Facebook. À tout de suite. Merci.